à partir du moment où vous avez la nationalité française, vos ancêtres sont automatiquement gaulois. C'est ce que nous explique Nicolas Sarkozy. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Désolé, Nicolas, là je m'adapte. Je m'adapte, je vais tenter de m'adapter en imaginant mes ancêtres effectivement un peu plus gaulois. Peut-être en changeant la musique, tiens. Oui, ça marche. Je rentre donc du Cameroun avec la ferme intention d'y retourner au plus vite. Ah, j'en ai plein le cul, tiens. Ouais, mais calme-toi, Dieudonné. Tu vois, je suis obligé de me parler à moi-même, parce que là, ça devient chaud, hein. Chaud, 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 chaud. Allez. Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie.